Bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous portez tous et toutes très bien. J'imagine que oui. Votre série préférée, les enseignements. Et pour le coup, pour fêter la chose, parce que ce qui s'est passé hier, c'est pas loin d'être historique dans le retournement des choses. Je veux dire dans le sort de ce Barça là, de ce nouveau Barça. Et donc pour le coup, pour fêter ça, aujourd'hui, ce ne sont pas cinq enseignants, mais bien sept enseignements, Oui. D'ailleurs, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé hier que Techniquement, cette vidéo, elle pourrait faire une heure avec 10-15 enseignements, la vérité. Mais on va se limiter à 7, peut-être même un bonus si jamais vous êtes sage et que vous me lâchez des pouces bleus. Allez, donc explosez-moi cette barre de pouces bleus. Un euh, petit like, c'est toujours gratuit, les amis, avant de commencer. Le premier enseignement, je sais pas, ça c'est pour les personnes les plus attentives, c'est quelque chose qui est censé normalement frapper un peu aux yeux, ça peut être subtil aussi. Ben, c'est tout simplement que depuis le 8-2, c'est-à-dire en 2020, c'est la première fois que le Barça a aligné un 11 avec 0 rescapé du 8-2. Aucun. Durant ces dernières années, il y avait toujours un ou deux, voire trois qui étaient titulaires, mais là, il n'y avait plus personne, plus aucun joueur présent lors du 8-2 en tant que titulaire, voire même remplaçant en fait, n'était pas présent sur le 11 de départ hier. Ça peut paraître anodin pour certaines personnes, mais pour moi, ça ne l'est pas. Cette équipe-là sortait d'une série de matchs où ils étaient traumatisés. Ce n'était pas possible pour eux de faire face à l'adversité, de faire face aux difficultés, de faire face à la gestion des émotions. Et c'était un peu, je veux dire, malheureusement caractérisé par le capitaine, le gardien, Marc-André Terstegen. Alors, attention, je ne dis pas par là que c'est à cause d'eux que le Barça ne gagnait pas, ne gagnait plus face au Bayern Munich, mais force est de constater que mentalement, lorsque tu as des jeunes assez frais, des jeunes audacieux qui, en fait, n'ont pas peur, n'ont rien à craindre, n'ont rien de limite à perdre. Ben, c'est sûr que ça fait la différence. Après, oui, je vous le concède, je ne pense pas que hier, Marc-André Terstegen aurait fait tâche pour la simple et bonne raison que Ignac n'a limite pas été sollicité à outrance par le Bayern Munich. Mais ça, on va en parler un peu plus tard, tout à l'heure. Je veux dire, Iñaki Pena, il n'a pas eu de miracle à faire, il n'a pas brillé, je veux dire, par sa performance individuelle, par des parades. Donc, ce n'est pas tant ça le problème. Ce que je veux dire par là quand je parle de Terstegen, par exemple, mais la grosse différence, c'est que Terstegen, cette saison, c'est le capitaine numéro 1 du Barça. C'est lui qui a le brassard de capitaine. Lorsque tu as un joueur qui est traumatisé par le Bayern Munich à chaque tir, tu sais que ça peut se terminer en but. C'est pas lui qui va calmer les troupes lorsque le Bayern commence à pousser après l'ouverture du score jusqu'à la 20e minute. ben Lorsque tu fais le parallèle avec Rafinha qui a le brassard de capitaine et qui te sort un match comme ça, Rafinha il te, il te montre, il, il regarde les joueurs du Bayern droit dans les yeux pour leur dire mais ben Moi je m'en fous en fait que vous soyez le Bayern, j'en ai rien à faire que vous soyez le Bayern, je vais vous tuer ce soir. C'est ce qui il fait des piquets, des ter Stegen, des Bousquet, même Frankie de Yon qui était titulaire ce jour-là. Ben je peux pas ne pas me dire en fait que ces joueurs là, ils ont quand même gardé des séquelles, même si pour d'autres c'est minime par rapport aux autres. Mais la vérité c'est que tu ne peux pas sortir d'un traumatisme parce que oui, nous en tant que supporters encore aujourd'hui on est traumatisé par ça. Alors imaginez les acteurs de ce match-là. Ça les empêchera pas d'être à leur niveau, voire même d'avoir une grande carrière derrière face à d'autres équipes, faire de gros matchs tout ça. Mais face à ce même adversaire là, à chaque fois que tu vas leur Rencontrer, tu auras toujours ces flashbacks là dans ta tête et à la moindre difficulté dès que ça a commencé à sentir le roussi, mais ben ça se peut que tu perdes tes moyens en fait. Et lorsque tu regardes, tu fais le parallèle avec les joueurs qui sont là hier au coup d'envoi, la plupart sont des gamins comme les Fermin, les Lamine Yamal, les Casado, qui n'ont absolument rien à craindre d'une équipe comme le Bayern. Lamine Yamal, Paogo Barci, lors du 8-2, ils avaient entre 11 et 12 ans. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre en fait de regarder des traumatismes de je sais pas quoi C'est limite s'ils comprenaient ce qu'ils voyaient à la télé, bien sûr ils étaient déçus parce qu'ils étaient supporters, c'est des gamins, ils suivent le foot, mais ils ne comprenaient pas l'ampleur de la chose. Donc lorsque tu les vois sur la pelouse hier, avec cette intention la Yamal, tu avais l'impression qu'il était, lui, pour le coup, qu'il était en mission, en fait, de vouloir humilier le Bayern, que ce soit les Niabris, euh, les Davis, il voulaient à chaque fois les humilier. Et vous savez ce que ça, ça dégage comme impression C'est un vent de fraîcheur, c'est de l'insouciance. Ces gamins-là, ils n'en ont rien à faire, en fait. Ils n'ont aucun souci, ils n'ont aucun euh, démon dans leur tête, des, voilà, des, des flashbacks qui leur reviennent ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Eux, ils sont là pour en découdre. C'est une nouvelle page qui se tourne. Ils sont là pour écrire une nouvelle histoire du Barça. Et quand ils sont accompagnés de leaders techniques comme les Pedri... Pedri, c'est un joueur qui n'a jamais eu peur du Bayern, hein, Pedri. Ce n'est pas la première masterclass qui sort contre le Bayern. À l'Allianz Arena, déjà, il te sort un match de fou furieux. Sauf que le Barça perd, même lui, il est en manque de réussite devant le but. Mais Pedri, il ne se cache jamais hein, dans les matchs compliqués comme ça. Serré où il y a de l'intensité, où il faut en fait s'affirmer. Pedri c'est pour le coup, c'est un vrai leader technique. Et il l'a montré hier. Les raffinia qui ont porté l'équipe sur leur dos, les Casado voilà les fermines, tous ces gamins là. En fait, il y, y a une sorte d'osmose qui se crée autour de cette équipe là qui fait qu'ils sont difficiles à bouger. C'est une famille, c'est une équipe. Ils ne font qu'un en fait. Lorsque tu regardes des Koundé qui sont là, en fait, ça n'a rien. En fait, je pense que Gnabry il a vu Koundé, il a dû se dire oh mais attends, j'ai plus mes deux là. Moi, je pensais es Il est passé où, mon ami Zerginho d'Est? Ah ouais, les choses ont changé, mon ami. Maintenant, ce sont de nouvelles têtes qui sont là, de nouveaux leaders qui amènent ce Barça vers les sommets. Donc, c'est quelque chose qui fait la différence tout de suite. La deuxième chose à retenir par rapport à ce qui s'est passé hier, les amis, c'est que Hans Dieter Flick est un psychopathe. Je pense que sa place est dans un asile. Flick n'est pas normal dans sa tête, je pense. Évidemment, vous aurez compris que c'est de manière positive que je le dis, non de manière péjorative, parce que Annecy Flick, déjà, ce qu'il réalise avec le Barça, ce Barça-là, depuis le début de la saison, c'est juste. En fait, anormal. C'est anormal. On parle là d'une équipe, même avec des joueurs en plus, avec des joueurs qui sont partis comme les Gundogan, les Cancelo, tout ça, tout ça. C'est une équipe qui performe mieux, non seulement qui performe mieux que l'année dernière, mais à des années-lumière de l'année dernière avec des joueurs en moins. Parce que ce soir, hier, pardon, lorsque tu as Olmo qui débute sur le banc, c'est ta seule recrue de la saison. Tu t'es passé de lui depuis le début de la saison parce que tu avais des blessés aussi à gauche, à droite, et malgré ça, le Barça n'a pas faibli. On sait ce que ce Barça. Ça peut faire en plus avec un holmo dans son 11 de départ. Réalisez un peu la dinguerie, les amis. Réalisez un peu ce que Flick est en train de faire avec des gamins. La confiance qu'il est en train de donner à des cassados, la confiance qu'il est en train de donner aux autres jeunes de l'équipe, comme ça, c'est n'importe quoi. Il est celui qui a infligé la plus grande humiliation de l'histoire du Barça. Et il est celui qui est en train de relever le Barça de ce cauchemar en fait. C'était limite écrit que ça aurait été lui qui sortirait le Barça de ce tourbillon de médiocrité. Après, bien sûr, ce n'est que le début et la saison est encore très, très longue. Les, les titres, ça sera en fin de saison. Mais ce que je vois en ce début de saison, la vibe que Flick me donne, c'est une vibe de, des débuts de Pep, en fait, 2008-2009. Je ne dis pas que le Barça de Flick sera du même niveau que celui de Pep, attention. Je dis simplement qu'en termes de vibe, ce que ça me donne, ce début de saison-là, il me donne la même vibe. Parce que moi, j'étais là lorsque le Barça de Pep débutait en 2008-2009. Au début, laborieux je pense même que ça débute par une défaite après un match nul ou un truc comme ça où c'était l'inverse et puis derrière ça commence à dérouler et puis la machine elle est inarrêtable donc c'est cette vibe là que j'ai depuis le début de la saison un euh, début un peu laborieux contre Valence après contre le Rayo un peu laborieux aussi et lorsque la, commande, la machine je veux dire commence à s'installer alors là limite plus personne ne réussit à l'arrêter même les maillots en fait me rappellent ceux de la saison 2008-2009 j'espère le même dénouement à la fin ça serait historique mais ce que Flick me donne comme vibe, c'est exactement les mêmes vibes qu'au début. Ça se peut que ça soit le début de quelque chose. On n'en sait rien. Mais pour l'instant, c'est sûr que la différence qui est faite avec le peu de temps, avec le peu de ressources qu'il a déjà, c'est juste n'importe quoi. Et puis, parlons aussi du fait que Flick ne se repose jamais sur ses lauriers. Important de le dire parce que vous savez, après le match d'hier, lorsque tout le monde était là en train de célébrer, vous savez ce que Flick il dit en conférence de presse? A raison d'ailleurs, il dit en fait que lui, qu'il n'a pas trop aimé la performance du Barça au niveau du pressing, notamment lors des 20 premières minutes. Il se focalise dessus. Les amis, j'ai rêvé de ça depuis je ne sais combien d'années au club un coach plus qu'exigeant. Parce qu'hier, il aurait très bien pu dire que oui, euh, on va regarder après, mais pour l'instant, on célèbre la victoire. Non, 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 non. non. Il sait que c'est une victoire, trois points, rien de plus, même si sur le caractère historique de la chose, ce que ça peut engendrer dans le club et tout, dans l'avenir du club, ça peut être différent. Mais il sait, il sait en fait, que l'objectif, il est sur le plus long terme, pas là, là, à gagner trois points avec la bannière. Non, il sait qu'il faut rester focus, concentré, concentré. Parce que ce qu'il dit, c'est factuel. Bien sûr, dans l'euphorie, nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que fans, nous tous ici, là, dans les commentaires, on pourrait oublier ces 20 premières minutes et se dire que le Barça a marché sur le Bayern. Ça a été incroyable, oui, ça a été le cas. Mais il y a eu quand même les 20 premières minutes. Et lui, en tant que coach, lui, en tant que tacticien, il sait où il faut déjà améliorer les choses pour la saison. Il sait que ce Barça est encore perfectible. Et c'est ce qui me fait plaisir. Les 20 premières minutes, le pressing du Barça est un peu bancal. Parce que c'est bien de jouer avec une ligne haute. D'ailleurs, je vous l'avais dit avant le début du match, Flick, il ne va pas renoncer à sa manière de jouer, il ne va pas renoncer à sa philosophie. Il est comme ça, il a joué en finale de Ligue des Champions comme ça, face à du Mbappé, face à du Neymar. Je pensais que c'est contre le Bayern de compagnie qui va se renier du jour au lendemain, alors qu'il joue comme ça depuis le début de la saison. Non Il ne l'a pas fait, il a gardé sa ligne haute. Le seul problème, c'est que derrière, si tu joues avec une ligne haute, tu dois savoir pressé. Tu dois mettre la pression. Tu peux pas être attentiste et laisser des défenseurs centraux jouer ce rôle de quarterback et voir à quel moment ils font la passe, comme sur cette image. C'est pas possible. On voit aussi le double pivot ici qui est beaucoup trop proche en fait de la ligne euh, de, des deux. C est, c est, en fait, c'est des détails. C'est des détails comme ça qui font que le Bayern n'était plus que confortable lors de la première période jusqu'au 20, jusqu'à la 20e minute, parce que le pressing était un peu bancal. Ils se sortaient assez facilement du pressing dû à leur qualité technique aussi, il faut le dire. Encore une fois, le Barça ne bat pas un Bayern amoindri ou affaibli hier. Le Bayern fait un bon match jusqu'à la 20e 21e minute de jeu, jusqu'à ce que le Barça comprenne en fait que en fait, nous aussi on peut jouer au football. Et c'est à ce moment-là que ça y est, le Barça prend l'ascendant. Ça a été équilibré la grande majorité de la première période jusqu'à ce que à la deuxième période, le Barça, je veux dire avant la fin, la fin de la première période, la Rafinha met le 3-1. Ça les tue un peu deuxième période, le Barça revient encore avec de meilleures intentions. Donc euh, voilà, faut pas minimiser ce que le Barça a fait. Parce que oui, le Bayern est un peu déséquilibré, ça joue haut, c'est leur choix, c'est leur décision, c'est leur ambition de jouer haut. Québec, ils s'assument, le Barça, il le fait, ils l'ont assumé, et ça a été une victoire. Donc ça me fait plaisir que Flick ne tombe pas dans l'euphorie. De toute façon, je compte je comptais déjà sur lui pour ne pas être submergé. C'est un allemand, on connaît. Ils sont pas, c'est pas, pas des mecs qui oublient l'objectif. Il sait très bien que certes, il y a une belle victoire, mais il va falloir arranger les choses parce qu'il y a déjà un autre grand match qui arrive ce samedi. Le troisième enseignement du match d'hier, les amis, c'est tout simplement Lamine Yamal. Lamin Yamal parlons-en parce que c'est plus possible de ne plus en fait en parler. C'est plus possible de banaliser l'exceptionnel et je pèse mes mots. Lamin Yamal ce qu'il réalise là à 17 piges, je l'ai dit hier lors du match, je l'ai tweeté, je l'ai dit j'ai plus vu ça depuis Neymar, Neymar de Santos. Neymar faisait ça au Brésil là-bas, à Santos. La Yamal est en train de le réaliser au plus haut niveau face à l'une des meilleures équipes du monde sur la scène européenne après avoir marché sur tout le monde lors de l'euro. Eh oh Eh oh Moi je ne peux, peux pas banaliser ça, je suis désolé. Je ne peux pas banaliser ça. Le match de la Yamal hier, beaucoup déliés à leur prime rêveraient de sortir une performance comme ça face à une équipe comme le Bayern Munich. C'est du football plaisir, champagne. Il y a une passe décisive, il peut en avoir une deuxième si Lewandowski ne passe pas un centimètre de rater le ballon. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie. Il y a tout dans son match. Il a 17 piges, il a peur de rien. Le Barça a touché le jackpot, les amis. Le Barça a touché le jackpot. J'ai pas envie de vous dire oui, le nouveau Messi ou je ne sais pas quoi. Ne serait-ce que Neymar, si l'ami Yamal réussit à avoir le, le pic de Neymar au plus haut niveau en Europe sur la constance, sur 3, 4, 5 années, ce que Neymar, je veux dire, réussit à faire en Europe lorsqu'il n'a pas gâché sa carrière, s'il réussit lui, l'ami Yamal, à faire ça sur la durée déjà, ça y est, il rentre dans l'histoire du football. Hein parce que moi, je n'ai pas envie de lui mettre la pression pour le comparer à Messi. Les gars, Messi, c'est une galaxie à part, d'accord ne, ne, ne mettons pas la mini mal dans cette pression-là de devoir le comparer à Messi. Déjà, s'il réussit à reproduire ce que Neymar a fait dans la qualité du football, parce qu'il ne faut pas minimiser ce que Neymar a fait, hein, je pense qu'il y a beaucoup qui oublient ce qu'était ce qu le phénomène Neymar. Il a longtemps été le troisième derrière les deux aliens. Entre Messi et Ronaldo à l'époque, Neymar, il était là à côté, en fait. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie. Alors que ces deux-là, ils étaient intouchables. Donc, si Lamine Yamal réussit à faire ce que Neymar n'a pas réussi à faire sur le plus long terme, en Europe, notamment au Barça, la carrière qu'il aurait dû avoir au Barça, mais il rentre dans la légende du football. Dans la légende du football. Mais je n'ai pas envie, encore une fois, de m'avancer jusque-là. Pour l'instant, ce qu'il fait à 17 piges, aucun joueur de 17 piges au plus haut niveau n'a jamais réalisé ce qu'il fait. Personne dans la précocité. Messi était incroyable, il montrait de belles choses à 17-18 piges. Neymar était incroyable à Santos, mais à Santos, encore une fois, à 17 piges. Mais de la mal, dès ses 16 piges, il te sort un euro comme ça, il te sort des performances comme ça, à peine avoir, après avoir eu 17 ans. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je, je ne sais pas, en fait, s'il réalise l'impact qu'il a auprès de ses adversaires maintenant, il y a du respect hier, ce qu'il a fait à Alphonso Davies, ce qu'il a fait à Niabri. Je, je vous l'avais dit la dernière fois, ces gamins-là, là, les Laminiamals et tout, je pense qu'ils ont vu ce que le Barça a subi face à cette équipe du Bayern Munich, lorsque les Davies humiliaient les joueurs du Barça pour aller marquer des buts. J'avais l'impression que la Laminiamal, comme il l'a dit en story Instagram avant ce match-là, qu'il était, pour le coup, réellement en mission. Il avait en tête cette mission de détruire le Bayern, pas seulement avec le score, pas seulement avec les buts, les passes décisives, mais aussi avec les dribbles. T'avais l'impression qu'il voulait les, les prendre en 1v1. Des petits ponts par là sur Niabri, des fènes de corps sur Alfonso Davis, mais tout le monde en a pris pour son grade. 17 piges, encore une fois. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur la minimal parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on va aborder avant la fin de cette vidéo. On va avancer avec le quatrième enseignant de la soirée d'hier. Ben, Les titulaire absents depuis le début de la saison, ouais, on peut le dire aujourd'hui, ils peuvent commencer à s'inquiéter. Et ce pas de l'enflammade. Hein. Ils peuvent commencer à s'inquiéter. Après, la saison, elle est extrêmement longue. Tu auras besoin de tout le monde. Je tiens tout de suite à le préciser. Que ce soit Frankie de Jong, Arauro, Christensen. Tous les joueurs qui ne sont pas là, là. Ils, ils auront une importance de fou durant cette saison. Ça, ne faudra pas l'oublier. Ce n'est pas une question de je perds ma place et ça y est. Non, c'est une équipe compétitive. Le Barça a envie de jouer sur tous les tableaux. Le Barça a envie de revenir dans le gratin européen. Tu as besoin de joueurs de classe mondiale comme Frankie de Jong, comme Arauro, comme Christensen, comme tous, les, comme, comme tous les autres en fait. Tu as besoin d'eux. Maintenant, il y a une différence entre avoir besoin d'eux parce qu'ils auront leur importance et avoir une place de titulaire indiscutable dans les plus gros matchs. Parce que là, là contre le Bayern, le match à refaire demain, ben Cassado, à mon sens, pour moi, il part titulaire. Et ce n'est pas un manque de respect contre Frankie de Jong. Je suis désolé depuis que Frenkie de Jong est arrivé à Barcelone, il a déjà, il hein, faut pas non plus abuser, il a sorti de bons matchs, il a sorti même de très gros matchs face à de bonnes équipes. c'est déjà arrivé, mais le niveau auquel Casado a joué contre le Bayern Munich, je suis désolé. Si on veut être vraiment objectif, Frankie de Jong n'a jamais atteint ce niveau-là depuis son arrivée et pourtant on aimerait qu'il soit à ce niveau-là parce qu'on sait qu'il en a les capacités. Maintenant, est-ce qu'il a déjà eu les coachs, le coach comme Flick capable de développer, de, de faire sortir tout le potentiel, tout le talent en lui Ça oui, je pense que c'est possible. Donc ça, ça ne serait pas impossible en fait de voir une grande saison de Frankie de Jong. Même son entrée a été très intéressante contre le Bayern. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas juste pour tomber sur lui, Frankie de Jong, c'est plus pour mettre en avant ceux qui sont là à leur place. Cassado, est-ce qu'on peut parler de Cassado s'il vous plaît on parle là d'un mec qui, de base, était parti pour être derrière Marc Bernal, un autre phénomène. Je ne sais pas si on s'en compte de la folie, parce que Marc Bernal, il va revenir la saison prochaine. Il aura un rôle. Le club lui fait confiance, c'est l'avenir du club. Un vrai 6 cassado, pareil. Le Barça aura des problèmes de riche, en fait. Mais si tu veux compétir au plus haut niveau aujourd'hui, en 2024-2025, si tu veux jouer sur tous les tableaux et être voilà, à un niveau exceptionnel, bah, es obligé d'avoir des, eff des effectifs comme celui de City, comme celui du Bayern. Regardez les, les joueurs que le Bayern fait entrer en de deuxième période, s'il vous plaît. Du Moussiala, du Coman, je veux dire, si tu veux en tout cas rivaliser avec de, des équipes pareilles, tu dois avoir un effectif comme eux. Et la saison prochaine, tu dois encore plus affiner ton effectif pour ra ramener en fait des de top joueurs, des, des joueurs de classe mondiale, si tu veux en tout cas continuer. Parce que tu ne peux pas te reposer que sur un 11 et te dire que ça, ça va passer, en fait, ce n'est pas possible. L'attaque, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant fiable. Mais encore une fois, ça, c'est un autre débat. Pour l'instant, je vais me focaliser sur ce que Cassado est en train de réaliser depuis le début de la saison. Je suis désolé, lorsque je vois ça. Ça me fait encore plus mal de me dire que ce mec-là, là, il était sur le banc durant toute la saison lorsqu'on galérait avec du Oriol romeo lorsqu'on n'avait pas de 6. Comment c'est possible Comment c'est possible Xavi, avec son œil, il a un œil de fou pour déceler les joueurs de talent, les joueurs... Il a l'œil, il a on l'a vu avec les Laminiamal, on l'a vu avec les Coubarcy il a l'œil, Xavi. Comment Xavi a pu passer à côté de ça, sérieusement Malgré tout le positif que j'ai eu à dire de Xavi... Je l'ai dit encore une fois lors de la vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vu par rapport aux différences entre Flick et Xavi. Xavi a participé à poser des bases de cette équipe-là. Mais comment ça se fait que Xavi n'ait pas pu voir Casado aux entraînements Parce que ce qu'il fait là, là, il le faisait déjà avec la B. Après, peut-être qu'il ne s'entraînait pas toujours avec l'équipe A, ça c'est possible. Je ne vais pas faire là voilà, un procès d'intention à Chavi non plus pour essayer de, 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 de vouloir tout remettre sur lui. Mais ça, ça me frustre en fait de me dire que Casado était là et que on l'a quasiment pas vu en fait de toute la saison dernière. Pourtant il fait un bon match contre l'Atlético Madrid pour ceux qui s'en rappellent. C'était censé un peu nous donner des indications par rapport à ce qu'il pourrait apporter à son équipe. Mais bon, c'était pas le cas et aujourd'hui c'est le passé. Le passé on oublie comme le dit Flick, on se concentre sur le présent. Et le présent c'est Casado. Frankie de Jong, je ne dis pas qu'il ne sera pas important encore une fois durant cette saison, mais si demain tu as un gros match, je suis désolé, c'est Casado qui débute. Après, ça ne veut pas dire encore une fois que les deux n'alterneront pas ou même ne joueront pas ensemble, parce que là, le profil des milieux que tu as avec Frankie, avec Casado, avec Pedri, Gavi, tout ça, il y a tellement de profils différents et polyvalents en fait que tu peux aligner une combinaison de milieux un peu à l'infini. Et tout le monde trouvera son compte, tout le monde jouera. Donc, Frankie de Jong, il revient de blessure. Ça sert à rien de lui tomber dessus. Encore une fois, il fait une bonne entrée, je trouve. Le Barça met la, a un peu plus de maîtrise lorsqu'il rentre. Et je suis curieux de voir, en fait, durant la saison, comment un flic va tous les utiliser parce qu'ils auront tous une importance. J'ai hâte de revoir davantage Frankie de Jong. J'ai hâte de revoir euh, Casado. Et j'ai hâte de revoir aussi Inigo Martinez avec tous ces joueurs-là. On n'en parle pas assez, mais Inigo Martinez, là encore, je veux parler de Arauro. Si Inigo Martinez passe encore une fois le test Madrid dans quelques jours ça y est pour moi Harrow, il a perdu sa place de titulaire même à son retour il a des qualités intrinsèques des qualités physiques athlétiques au-dessus de la moyenne personne ne remet son cause personne n'est capable de le prendre en règle générale en rencontre un un dans la vitesse dans la puissance et tout mais la défense c'est pas que ça mais je continue toujours à croire que Flick a confiance en lui et que lui aussi il aura une importance cette saison. C'est impossible en fait que Flick ne bonifie pas tous ces joueurs-là. Moi j'ai pas envie de rester sur leur mauvaise performance des dernières années et me dire qu'ils n'auront plus leur chance et qu'ils sont passés derrière dans la hiérarchie. Pour l'instant, oui, ils sont passés derrière dans la hiérarchie, mais de par leur qualité, de par la compétitivité de l'équipe, ils devront prouver qu'ils peuvent regagner une place importante, voire une place de titulaire dans cette équipe. Et c'est justement ça la beauté de la compétition, la beauté de la la compétitivité, la beauté, de la qualité de ton effectif, parce que si tu as des joueurs qui sont au niveau, les autres qui sont déjà, on connaît leur qualité de base, mais ils vont se donner pour jouer parce que c'est des compétiteurs. Et c'est qui qui bénéficie de tout ça à la fin C'est l'équipe. C'est l'équipe, tout simplement. Là, on a parlé de Casado, on a parlé de Inigo, mais que dire de Fermin Lopez Fermin Lopez qui sort avec deux passes décisives hier face au Bayern Munich, lui qui est amené à être un super sub cette saison. Ça, ça veut dire en fait, Olmo, même toi en fait, si tu te reposes sur tes lauriers, il y a un mec qui est là qui peut te prendre ta place. Il n'y a personne qui est en sécurité en fait dans cette équipe-là. Tout le monde sera alerte du début à la fin de la saison. C'est pour ça que je vous dis que même Frankie de Jong, il n'aura pas le temps en fait de trottiner comme à l'époque là, quand on disait qu'il était nonchalant. C'est plus possible. Parce que tu sens, tu, tu sens que tu es en danger. Si tu ne performes pas, si tu pas au niveau, il y a un, voire deux, trois mecs qui peuvent te remplacer sans que ça ne change absolument rien du tout et que, au contraire, que ça soit plus bénéfique à l'équipe. Donc c'est important d'avoir des profils comme celui de Fermin, comme celui de Casado, Inigo et tout, parce que tout le monde restera concerné. Le cinquième enseignement de la soirée d'hier, les amis, c'est tout simplement Pédri. Pédri. Vous savez, on le disait depuis le début de la saison. Moi, je vous le disais avant même le début de la saison. Je vous disais lors de la fin de saison dernière, lors du début de l'Euro, que je sentais que Pedri était un peu différent physiquement en fait. Je sentais un Pedri qui avait plus confiance en son corps. Au bout d'un dans le match d'hier, Pedri il lorsqu'il recevait le ballon vous savez ce contrôle orienté pour laisser sa jambe d'appui pour protéger un peu le ballon un mec qui n'a pas confiance en son corps avec des joueurs comme ceux du Bayern qui viennent presser avec de l'agressivité il ne le fait pas et Pedri il le fait ça depuis au moins facile 4, 4, 3 4 mois peut-être même plus Pedri lorsqu'il va bien physiquement il est injouable. lorsqu'il est au top de sa forme physiquement et qu'il n'a aucun problème physique c'est peut-être le meilleur milieu du monde, tout simplement. Et ce qu'il a fait hier face au Bayern Munich, c'était un mix de Iniesta, c'était un mix de Xavi, de Toni Kroos. Il y avait du tout, il y avait, il y avait du tout en fait. Les joueurs du Bayern, au bout d'un an, ils ont arrêté de le presser parce que c'était risqué pour eux de venir le presser très près parce que non seulement il éliminait le pressing, mais il se contentait pas que d'éliminer le pressing, mais il crée en plus du danger derrière. Donc, il y avait le doute. Est-ce qu'on va presser Pedri ou pas Parce que quand on va le presser, il va nous éliminer pour nous mettre en danger derrière. Donc, lorsqu'il avait le ballon, tu sentais que, voilà, au début du match, les 20 premières minutes, le Bayern avait un pressing très agressif, que ce soit sur Koubarsi, les Inigo, les Pedri et tout. Et ils n'osaient pas toucher le ballon, que les joueurs du Bayern étaient là. Mais plus le match avançait, plus Pedri montait en puissance dans le match, mais plus le Bayern, ils ont, ils ont commencé à douter. Ils ont commencé à avoir peur de lui. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie. Pedri, lorsqu'il joue à son meilleur niveau, le Barça peut viser n'importe quel titre. Lorsqu'il a en plus à côté de lui des mecs comme les Lamini Laminiamal, les Rafinha, lorsqu'il a toute cette équipe là autour de lui comme ça, il peut exprimer son meilleur football. C'est un esthète en plus. C'est pas en fait que les stats Pedri. Pedri, lorsque tu le regardes jouer, t'as as envie d'allumer, tu vas payer ton, ton ton billet au stade, tu vas payer ton, tu vas payer ton je veux dire ton abonnement au stade limite toute l'année pour aller voir un mec comme lui, en fait. C'est un privilège de voir un mec comme ça chaque jour à la télé. Il n'a même pas encore 23 ans, il y a 22 ou 21 ans, je ne sais plus. Il avait besoin d'un match référence ponctué, d'une victoire lorsque tout le monde, tous les yeux étaient rivés sur le Barça, sur... Euh, parce que ouais, c'est ça, ces dernières années, même lorsqu'il faisait de bons matchs, il a fait un bon match contre le Bayern, encore une fois, je l'ai dit dans le débrief à l'Allianz Arena. Mais ça, apparemment, ça n'intéresse pas à grand monde. Là, le Barça avait perdu, donc voilà, on met ça le la poussière sous le tapis et on continue. On n'en parle pas tant que ça. Mais là, c'est la terre entière qui avait les yeux rivés sur le match. C'était limite une bénédiction, je veux dire que tout le monde euh, avait, je veux dire, les yeux rivés sur ce match parce qu'il y a pas d'autres gros matchs à côté. Il y avait pas, par exemple, je sais pas, un bon, City Real à côté. Il y avait du hate watch un peu partout dans le monde. Il y avait des analystes, des anglophones aussi qui étaient là, qui n'ont pas l'habitude de regarder le Barça, qui se sont posés devant le match en se disant que le Bayern va encore marcher sur le Barça. Ça, on va en parler hein, tout à l'heure. Mais Pedri, il a mis tout le monde d'accord. Il y avait du Kimmich quand même en face. Il y avait du Muller. Certes, c'est plus le Muller prime et tout, mais un Muller qui fait quand même un bon début de saison. Il y a du Musiala qui rentre en deuxième période. Il y a, voilà, du Goretzka qui a joué. Il y a du Palinia, etc. Et ils n'ont jamais réussi à trouver la formule avec Pedri. Il était injouable. Il a déjà fait de grands matchs avec le Barça, mais je pense sincèrement que le match qu'il sort hier face au Bayern, en termes de maîtrise de tempo, en termes de dribble dans les petits espaces, en termes de distribution, franchement, je pense que c'est le pic. Là, là, il est en train d'atteindre un nouveau pic dans sa carrière. J'espère que là, il va débloquer encore une fois un autre... Parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est pas parce que Pedri, il a déjà beaucoup d'années au plus haut niveau, que ça y est, hein, c'est le produit fini qu'on a. C'est un très jeune joueur, et il va encore peut-être même progresser. Il a une marge de progression, c'est ça la folie avec un joueur comme lui. Ce qu'il a déjà depuis le début de, la sa de sa carrière, il a commencé à 16 piges lui aussi, faut pas l'oublier, c'est de l'expérience tout simplement. Donc là, on a l'impression que c'est limite un vieux briscard. Mais il a que 21 ans ou quoi, ou 22, je sais plus, dites-le moi en commentaire. Bref, Pedri, merci de jouer au football, tout simplement. Nous, en tant que fans de football, en tant qu'amateurs de football, c'est pour des mecs comme lui, là. Qu'on a envie d'allumer nos télés pour des mecs comme lui, qu'on supporte le Barça à titre personnel. Donc voilà, merci tout simplement. Le sixième enseignement de la soirée d'hier, les amis, c'est que la peur a changé de camp. Et quand je parle de peur, je parle d'abord et avant tout euh, du Bayern avant de parler de notre thème. Mais d'abord, pour me focaliser sur le Bayern, pourquoi je vous dis ça C'est que pour la première fois depuis que je regarde les matchs du Bayern, que ce soit contre le Barça ou même dans notre grand match, même lorsque le Bayern en règle générale est mené, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le Bayern douter. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils ont un nouveau coach et tout Mais en deuxième période... Le Bayern que je vous savez le Bayern en règle générale même lorsque ils perdent des matchs ils continuent à attaquer tout le temps 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 attaquer le Bayern hier, ils ont eu une possession de peut-être 60%, mais ils en ont fait quoi Possession quasiment stérile. Est-ce que vous avez senti vous Iñaki Peña être à l'agonie hier, faire des arrêts, multiplier des arrêts Non. Le Bayern n'a eu, selon les statistiques ici, deux arrêts du gardien. Mais moi, je ne me rappelle pas avoir vu Iñaki Peña faire une parade, peut-être un ballon qui venait sur lui, il l'a capté. Mais c'est tout. J'ai pas, j'ai pas vu le Bayern qui pilonne, qui envoie des attaques, qui revient à la charge, encore, encore, encore et encore jusqu'à ce que l'adversaire Crack. Non, lorsqu'ils étaient menés, je les ai vus un peu douter la vérité. En deuxième période, j'ai vu le Bayern Munich qui avait peur d'attaquer parce que à chaque fois qu'ils attaquaient, le Barça allait en contre-attaque leur mettre un but. Ils avaient la, la balle, c'était même pas en fait aussi une possession dans le camp du Barça. C'était surtout une possession devant leur surface, vers le milieu de terrain, mais rarement pour s'installer dans le camp du Barça à pilonner en fait. Le Barça n'a pas voulu que le Bayern s'installe dans sa moitié de terrain. Et c'est très rare de voir le Bayern comme ça. Encore une fois, même lorsqu'ils sont mauvais en règle générale, ils attaquent. Ils attaquent, ils vont peut-être rater, mais ils attaquent. Mais hier, au bout d'un an, c'est limite qu'ils ont abdiqué. Ils se sont dit, écoutez, on ne va pas partir avec une plus grosse valise que ça. Quatre buts encaissés déjà dans les dents, c'est beaucoup. On continue à se livrer, ils vont continuer à nous attaquer, ils vont nous mettre des buts. Donc, ils ont commencé à avoir une dépossession un peu plus longue, dépossession un peu plus de protection, j'ai envie de dire. Alors que d'habitude, encore une fois, ce n'est pas du tout le style du Bayern. Ils font ça, en règle générale, lorsqu'ils maîtrisent déjà les matchs et tout. Mais là, à 3-1, à 4-1, j'ai vu le Bayern qui doute. Et ça, c'est un fait assez rare pour ne pas être relevé. Maintenant, de l'autre côté, pourquoi je parle de peur Vous savez, les amis, si vous remarquez un peu autour de vous, en règle générale, le Barça n'est pas un club très apprécié. Les fans de Chelsea, les fans de United, les fans du PSG, en règle générale, les fans de toutes ces équipes-là, ils préfèrent plutôt supporter le Real Madrid. Ils n'ont peut-être pas, peut pas supporter le Real Madrid, mais ils ont moins une animosité vis-à-vis -vis du Real Madrid que contre le Barça. Pourquoi, à votre avis? C'est parce que si vous regardez de près toutes ces équipes-là, vous verrez qu'il y a toujours une histoire particulière. Chelsea, depuis l'époque Mourinho, où ils ont voulu découper Messi, il y a eu Iniestazo derrière. En fait, c'est jamais passé chez eux pour tout ce qui s'est passé entre le Barça et Chelsea. D'autre côté, tu as United, le Barça a toujours limite humilié Manchester United alors qu'ils étaient au top. T'as quand même privé United de deux Ligues des Champions en plus en finale. Et là à côté, tu as le PSG qui veut devenir le Barça, qui a tout fait pour devenir le Barça, mais n'ont jamais réussi à devenir le Barça. Que ça soit par le style, ils ont essayé, ils ont ramené des coachs, ils ont ramené des joueurs, ils ont commencé à prendre des joueurs du Barça, ça ne marche toujours pas. Malgré le fait qu'ils aient battu le Barça durant ces dernières années, cette animosité-là, elle reste. Malgré derrière, normalement, après le 6-1, ça y est, tu as battu le Barça une fois, deux fois, tu es censé passer à autre chose, mais il y a toujours cette animosité-là. Le Bayern, lorsque le Barça était à son prime, il a infligé lui aussi des fessées au Bayern, du 4-0 par-ci, des victoires avec la MSN par-là. Vous regarderez toutes ces équipes-là, vous verrez qu'à un moment donné de leur histoire, elles ont eu affaire avec le Barça de Pep qui les a humiliés ou en tout cas qui les a traumatisés. Et vous pensez que toutes ces équipes-là, elles ont envie de revivre ça Le Real Madrid a déjà battu toutes ces équipes-là, mais jamais avec la manière avec laquelle Pep les traumatisait à l'époque. Et vous pensez que toutes ces équipes-là, elles aimeraient revoir le Barça, revenir, les traumatiser de nouveau Hier, fallait voir le nombre de personnes qui étaient là en mode hate watch, en attendant que le Bayern encore une fois vienne battre le Barça pour que le Barça soit à la risée de l'Europe et que ça rigole de partout comme d'habitude. Quand le Barça perd ou le Barça est éliminé, le Barça reversé en Europa League, le Barça accusé de Negrera, tout le monde tombe sur le Barça. Tout le monde, c'est là que tu vois à quel point le Barça a fait souffrir des équipes. Et je pense que après, faut pas non plus se victimiser hein, et penser que tu es le nombril du monde. Parce que demain, je pense que même le Bayern, ils ont une chute comme le Barça l'a eu. Parce que faut le dire aussi, le Barça, il y a eu des problèmes de gestion qui ont mené le Barça à ce qui s'est passé. Je veux dire, durant les dernières années. Si demain le Bayern Munich, là, ils sont au top, ils se font rouster des 7-0, des 8-2 aussi, ils commencent à sombrer, partent en Europa League. Je pense que ça sera pareil. Eux aussi, ils ont battu tellement d'équipes je pense que beaucoup se réjouiront de les voir dans la difficulté, en fait. Et donc, vous savez, j'ai écouté un peu les analyses de match de ESPN, ce que je fais d'ailleurs assez souvent parce que j'aime beaucoup certains euh, analystes sur ce plateau. Et, et croyez-moi, les amis, que j'étais abasourdi par ce que j'entendais. J'étais abasourdi par ce que j'entendais. Ils étaient limite dégoûtés. Limite dégoûtés, les gars. C'est comme si le Barça avait perdu ce match. Déjà, ils ont commencé par râler sur l'action de Fermin, que oui, pour eux, ça fait basculer le match, etc. Je me suis dit, ok, ça peut être une opinion, comme une autre, ça débat, football, voilà, ça peut, ça peut se comprendre qu'ils puissent débattre dessus, même si j'étais déjà, moi, scandalisé, hein, qu'ils qu fassent ce débat-là après un match pareil. <laughs> Je me suis dit, d'accord, ils vont certainement parler de choses euh, positives derrière. Et vous savez, c'est quoi le topic d'après S'ils s'enchaînent sur quoi c'est M. Klinsmann qui est là sur le plateau qui dit, ouais, en fait, ce match, ça aurait pu finir 4-4 parce que le Bayern aussi a eu ses chances, on a vu la ligne haute du Barça. Là, lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il doit fumer, en fait. Il doit fumer. Lui, il a vu Peña faire des arrêts hier pour sortir une analyse pareille. Mais là encore, je me suis dit... Klinsmann, ancien sélectionneur euh, allemand, ancien, je pense aussi coach du Bayern. Donc voilà, il a un petit ce côté euh, parti pris pour le Bayern, donc il essaie de les défendre. Et là, ça continue dans les analyses. J'entends les autres analystes dire oui, mais en fait, ça c'est bien beau, ça passe contre le Bayern, mais ça, ça ne passera pas contre le Real Madrid. Mais on tombe sur la tête, je pense. On tombe sur la tête. On parle du Bayern Munich. T'as encaissé qu'un seul but face au Bayern Munich, t'es en train de minimiser la performance du Barça. En mode, oui, ça, ça peut passer contre le Bayern, mais ça passera pas contre le Real. Bien sûr que ça peut ne pas passer contre le Real, mais te servir de l'exemple du Bayern. Vous pensez que le Bayern, ce qu'ils font, hein, balle au pied dans les sorties, pour le pressing, dans l'intensité qu'ils mettent. Vous voyez les matchs du Real depuis le début de la saison. Peut-être que le Real n'est pas capable de le faire non plus. Donc qu'est-ce qui vous dit que si le Barça joue comme ça contre le Real, le Barça va se manger une volée après le match de ce soir Je pense qu'il devrait avoir un peu plus d'humilité lorsqu'il parle d'un coach comme Flick en fait. Ces mêmes journalistes-là, il y a à peine quelques jours en arrière, disaient que « Ouais, ça va être compliqué pour le Real Madrid lors du Classico, etc. » Il a fallu que d'une mi-temps, où le Real Madrid fait une remontada face à une équipe qui est septième de Bundesliga, dont le coach met tout en œuvre pour que la remontada soit possible en sortant un attaquant, en mettant un défenseur et tout, pour que ces mêmes gens-là viennent ici te dire, après une victoire du Barça face au Bayern Munich, que ça va être insuffisant face au Real Madrid moi, je ne dis pas que là, il doit venir nous dire ici que oui, le Real Madrid va souffrir et tout. Non, ce n'est pas le but de mon propos. Tout ce que je dis, c'est que gardez quand même une certaine lucidité, une certaine objectivité lorsque vous analysez la chose. Vous allez comparer une performance face au Bayern Munich à ce que le Real a fait face à Dortmund, c'est ça qui vous impressionne le plus, sérieusement? Je rappelle par là que ce sont les mêmes journalistes, lorsque Bavé venait juste de signer au Real Madrid, qui ont sorti une vidéo prédiction de la Liga. C'est pas de savoir si le Real Madrid allait gagner la Liga. Ils ont dit par combien de points d'écart le Real Madrid allait gagner la Liga. Vous imaginez un peu le manque de respect? Même moi, en fait, c'est légitime de se dire que oui, de penser que le Real peut gagner. Et légitime de gagner, de succéder, de se succéder à lui-même, je veux dire, en Liga. C'est légitime, c'est une analyse qui peut s'entendre. Mais venir avoir un manque de respect comme celui-ci, dire par combien de points d'écart le Real Madrid va gagner la Liga cette année avec la signature de Mbappé, je suis désolé, c'est un manque de respect. Ça montre leur haine vis-à-vis -vis du Barça. Et c'est pour ça que je vous dis que cette peur-là de voir le Barça revenir, oui, je pense sincèrement qu'elle existe. Ou alors c'est juste des fans du Real. Ça peut être possible. Parce qu'on l'a vu, le, ceux qui, pour ceux qui ont regardé le match du Real sur Canal, la réaction du commentateur sur les buts de Vinicius. C'est Vinicius Mais. Vior, Vinicius. Mais il est fou ou quoi comme le Real, comme Madrid 4 à 2. Je pense que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il était à deux doigts de crier à la Madrid Bref, tout ça, c'est pas nouveau et ce n'est pas une théorie du complot. Le Barça va donc juste falloir qu'il continue comme ça, se concentrer sur lui-même et on s'en fout en fait. faut qu'on continue à revenir au top. Le reste, ça viendra tout seul. La septième et dernière chose à retenir de la soirée d'hier, ben, les amis, c'est tout simplement Raffinia. Comment on peut faire cette vidéo sans parler de Raffinia 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 vous vous rappelez, en début de saison, je vous avais donné quoi comme objectif pour Rafinha à atteindre cette saison Vous vous rappelez statistiquement ce que je demandais à Rafinha C'est un abonné d'ailleurs qui me l'a rappelé hier dans les commentaires, merci à lui. Rafinha, je me suis fixé pour lui un objectif de 30 goals assistes cette saison. La saison dernière, je pense qu'il en a fait 22. Cette saison, sur les 30, les amis, on n'est qu'à 13 matchs joués pour Rafinha et déjà 15 goals assistes. On n'est même pas encore à la moitié de la saison qui est déjà à 15 goals assistes. Mais si c'est comme ça, je vais devoir monter en fait le truc. Parce que Rafinha, le Rafinha qu'on voit là, là, il est parti pour nous faire une saison d'anthologie. Si Rafinha continue comme ça, que ce soit dans les grands matchs ou les petits matchs, à être bon dans la passe, dans la création d'occasion. Parce que Rafinha, c'est pas que les triplés ou les pas isifs, c'est dans la création d'occasion aussi. Il est important pour ce Barça. Il est juste aujourd'hui vital pour ce Barça avec et sans ballon, d'ailleurs Flick a dit quelque chose d'assez étonnant par rapport à lui, il a dit qu'il n'a jamais eu un joueur comme Rafinha depuis son début de carrière en tant que coach, il a eu, vous imaginez un peu le nombre de joueurs que, que, que Flick il a eu, il a eu Prime Lewandowski, il a eu des joueurs de fou furieux, il te sort une déclaration comme ça sur Rafinha, je pense que ça veut tout dire Rafinha, vous savez, au-delà de ses performances et tout, j'ai l'impression que ça y est, le mindset dans lequel il est maintenant, c'est un mindset de ne me voyez même plus comme un joueur qui a envie de faire de bonnes choses, éprouver des choses vite fait. Rafinha, j'ai l'impression qu'il est décidé, en fait, il est vraiment décidé à laisser son nom dans l'histoire du club. Parce que ce que je vois de Rafinha, dans sa manière, ne serait-ce que dans sa manière de, de, de se comporter vis-à-vis -vis des, des, des adversaires et tout, dans son jeu, dans son body language, tout ça, j'ai jamais vu ça, en fait, depuis très longtemps chez un joueur au Barça, une recrue. Il aime ce club, il est capitaine, il aime ce club, il le défend comme si c'était le club de sa vie. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'il a toujours rêvé du club en étant tout petit. Je sais pas si vous aviez des histoires par rapport à lui étant plus jeune, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je vais pas écho de ça. Mais ce que je vois de Rafinha, il a envie de donner sa vie sur le terrain pour l'écusson du Barça. Et lorsqu'on lui demande en conférence de presse est-ce que c'est le meilleur match de sa carrière au Barça, un joueur sans ambition, vous savez, il répond quoi Il vous dit Ouais, j'ai réalisé mon rêve, ça y est, je suis au Barça, c'est le meilleur match de ma carrière, etc. Lui, Rafinha, il dit Oui, c'est l'un de mes meilleurs matchs, mais le meilleur reste encore à venir. Vous voyez un peu la, 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 la mentalité, en fait, de, de taureau, de, de malade mental de ce mec il ne s'en contente pas, il ne se contente pas de ce qui s'est déjà passé là, là, avec ce qu'il a fait contre le PSG, avec ce qu'il vient de faire contre le Bayern. Pour lui, ce n'est pas assez, il en veut plus. Franchement, Rafinha, merci encore une fois, merci Ousmane Dembélé, parce que grâce à Dembélé, grâce à l'activation de la clause de Dembélé, merci le Paris Saint-Germain, jamais de la vie on n'aurait eu ce Rafinha là, parce qu'il est libéré. On se rappelle, lorsque Dembélé était là, c'est lui qui était un peu baladé pour combler les trous. Mais là, Rafinha, Rafinha, ce que Rafinha est en train de mettre comme but, vous imaginez un peu Dembélé avec cette finition-là. Dembélé là qui est en train de tuer les pigeons du parc des princes au moment où je vous parle. Bref, merci encore pour tout Dembélé. Merci pour tout. Franchement, continue comme ça. Franchement, je ne sais plus quoi dire par rapport à Rafinha. Depuis le début de la saison, il a atteint encore une fois un nouveau palier dans sa carrière. Je ne sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter ou il va continuer comme ça. Mais c'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Je voulais, les amis, vous donner un dernier bonus avant de terminer cette vidéo parce qu'elle est déjà extrêmement longue. Au moment où je fais cette vidéo là, il est 4h du matin. Vous imaginez, je, je suis explosé, sa mère. Là, là, je ne sais même pas comment je vais sortir cette vidéo. 40 minutes de montage. Derrière, vous imaginez Bref, je, je vous ai dit les détails. <laughs> Bref, je vous donne mon bonus. C'est tout simplement Jules Koundé. Jules Koundé. Comment ne pas parler de Jules Koundé Il s'est coltiné, Egnabry, Ecomane. Combien au gauche, je veux dire, du Bayern ont essayé de le prendre en 1v1 Ils se sont tous mangés le mur, Jules Koundé. C'est le meilleur latéral droit au monde actuellement, il faut le dire. Il aura un autre test de nouveau face à Vinicius. On rappelle là que Koundé, il a eu quand même du Doku, il a, eu, il a, eu quand, même, il a quand même eu des clients, il a eu du Nico Williams. Euh, Aujourd'hui, Vinicius, c'est pour moi, c'est le test ultime. S'il réussit encore une fois à passer le test Vinicius ce samedi, ça y est, c'est bon en fait. Bref, les amis, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Je voulais juste vous mentionner, voilà, le monstre qu'il est, le monstre qu'est Jules Koundé depuis maintenant pas mal de mois avec le Barça. J'ai l'impression que plus ses locks ils sont longs, plus il est en mode de Super Saiyan. Donc franchement, merci Jules Koundé. Continue à t'habiller avec des gazons dans les pieds si tu veux. Bref, les amis, je suis explosé. Tout ce que je vous demande, c'est des pouces bleus, de partager cette vidéo au maximum, parce que là, je ne sais même pas encore une fois où j'ai puiser l'énergie pour refaire tout le montage et vous balancer tout ça. Mais je compte sur vous. Un pouce bleu, c'est tout ce que je vous demande. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour soutenir le boulot. On se retrouve très rapidement pour l'avant-match du Classico. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite.